j'attendais le signe pour commencer cette rencontre avec Gisèle Pinault. Vous êtes dans cette salle à Paris, mais nous sommes aussi donc retransmis un petit peu dans le monde entier, parce qu'on me dit qu'il y a 35 lieux du monde qui sont connectés, 35 pays et quelques 400-500 personnes qui sont à l'écoute. Donc nous ne sommes pas seuls. Gisèle Pinault, en quelques mots, est née à Paris et depuis a une vie qui alterne les allers-retours entre la région parisienne et la Guadeloupe, Marie-Galante aujourd'hui, et puis surtout une vie ponctuée, c'est ça qui nous intéresse, de plus de 20 romans, de livres destinés aux jeunes lecteurs aussi, de textes publiés, des nouvelles, et puis des textes publiés dans des recueils collectifs. Mais c'est essentiellement les romans là, qui vont nous intéresser. Depuis le premier, publié en 92, un petit livre, Un papillon dans la cité, qui a été très vite suivi d'un deuxième très repéré par le monde de la presse et par le public, La grande drive des esprits. On était en 1993. Ce livre a obtenu d'emblée le Grand Prix des lectrices de Elle, donc un prix littéraire très, très populaire, donc ce qui signifie beaucoup de lecteurs et de lectrices en particulier. Et en même temps, ce livre avait été salué par le Grand Prix Carbet de la Caraïbe, c'est dire qu'il était à la fois salué par la Caraïbe et par le monde de l'édition français, parisien, qui était autour de ce livre et de votre activité. Par la suite, je cite quelques livres, on y reviendra, parce qu'il me semble important dans votre carrière, L'exil selon Julia, on est en 96, un peu plus tard, Cher Piment, on est cette fois en 2002, Mes quatre femmes, 2007, et puis plus récemment, un livre qui s'intitule Le parfum des sirènes, on y reviendra, qui m'a semblé être un peu annonciateur de l'un de vos deux derniers livres, et c'est les deux derniers livres dont il va s'agir essentiellement cette soirée. Adi, Soleil noir, un livre publié aux éditions Philippe Ray en 2021, donc très, très récemment, consacré à cette jeune femme venue elle aussi de Guadeloupe et qui a été la compagne de Man Ray. Et puis le tout dernier, La couleur de l'agonie, qui est cette fois un roman policier et qui est publié par Caraïbes Éditions et publié également en 2021. Peut-être on va commencer avec ce dernier livre, Adi Soleil noir, et je vais citer la phrase que vous mettez en exergue. C'est une phrase de Man Ray, le peintre photographe américain qui a séjourné longuement à Paris et qui a marqué l'art d'une façon générale, tant pour la photo que pour la peinture. Je le cite. « J'avais eu beau décider que je ne m'attacherais plus jamais à une femme, j'avais fait la connaissance d'une danseuse, une jeune mulâtresse originaire de la colonie française de la Guadeloupe, Adrienne. Nous étions amoureux l'un de l'autre et mes amis de midi nous accueillirent à bras ouverts. » Alors, peut-être derrière cette citation de Man Ray, Adrienne, c'est Adrienne Fidelin. Quand l'avez-vous rencontré, vous ? Je ne parle pas de la personne, mais à quel moment vous avez connaissance de cette Adrienne Fidelin et de son existence tout à fait exceptionnelle ? Oui, c'est un choc lorsque je rencontre Adrienne dans les pages d'un ouvrage de Man Ray, Autoportrait, où il revient sur sa vie, ses parents, sa naissance aux États-Unis, et puis Paris, la découverte de l'art, la fascination pour cette ville qui l'attire et qui l'appelle, les surréalistes, les dadaïstes. Alors Man Ray est un artiste qui m'a toujours impressionnée par sa très grande liberté, par ce côté un peu enfantin qu'il avait, et puis ce goût de la vie, du plaisir, de la joie. Et d'ailleurs, Marcel Duchamp avait défini Man Ray de cette manière. Man Ray, joie, jouer, jouir. Et ça me plaisait, cette idée de la vie comme ça. J'ai beaucoup recherché des ouvrages autour de Man Ray, sur la photographie, la peinture, les objets qu'il fabriquait. Et puis le monde des surréalistes, ces artistes qui évoluaient
dans l'entre-deux-guerres, comme ça, qui étaient un peu des funambules. Ils étaient là, ils avaient survécu au pire, c'était la guerre des DER, la Première Guerre mondiale, et puis ils dansaient la biguine au bal de la rue Blomet. Ils étaient fous, ils étaient libres, ils étaient suicidaires, ils prenaient des alcools forts, il y avait de l'amour, il y avait du sexe, il y avait de la folie chez ces surréalistes. Et puis aussi une envie très grande de renverser les dictats de l'art et de faire autre chose avec de la peinture et des pinceaux, de faire autre chose sur des toiles que de reproduire fidèlement la réalité. Alors, quand je découvre dans Autoportrait cette étoile noire qui passe comme ça, et surtout ce qui m'a vraiment comment dire, ce qui a vraiment qui m'a vraiment bouleversée et chatouillée, c'est que Man Ray déclare lui-même: nous étions amoureux l'un de l'autre. Et il ne tient pas les mêmes propos lorsqu'il parle de Limiller ou de cette première femme, j'oublie son nom, excusez-moi, j'ai du décalage horaire dans les jambes et dans la tête, Kiki de Montparnasse. Voilà, il ne déclare pas sa flamme de la même manière lorsqu'il évoque ses liaisons. C'était un homme qui a rencontré beaucoup de femmes, qui était un charmeur, un séducteur, mais Adi a tenu une place très particulière dans son cœur. Dans Autoportrait, que je vous invite vraiment à découvrir ou à relire, hein, vous verrez que pendant les années, les grandes années du surréalisme, autour de 1938, la présence d'Adi est fulgurante, elle est là et elle inspire. Et souvent on a dit que c'était la muse oubliée, et peut-être que tu me poseras la question... Je n'ai pas sur ce regard-là, tu vois. Alors, sur cette muse. C'est pas parce que c'était la petite noire, on l'a mise de côté. C'était pas la petite boniche de Man Ray. On a dit qu'elle nettoyait ses chaussures, qu'elle faisait à manger. Il y avait vraiment une relation très très forte. Et un amour réciproque. Et c'était réciproque. Et Man Ray, à de nombreuses reprises dans toutes ses pages, dans Autoportrait, il raconte par exemple l'exode qu'il a vécu avec elle au moment où ils doivent quitter Paris pour rejoindre la zone libre. Il écrit je n'aurais pas pu faire ce voyage avec quelqu'un d'autre parce qu'elle était là, elle restait de bonne humeur, elle me soutenait, c'était la compagne idéale pour ce voyage. Alors, quand vous décidez d'écrire ce livre, vous entreprenez le travail. Il y a effectivement sans doute beaucoup de documentation sur Man Ray, mais beaucoup moins sur Adi, sur Adrienne. Il faut débusquer, il faut trouver. Et sur la couverture, c'est marqué roman. Alors, c'est une biographie romancée. Jusqu'où la romancière est allée? Parce que vous avez des limites, j'imagine. On ne fait pas n'importe quoi quand il s'agit de Man Ray. Non. Et d'Adi, non? Et Adi, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'écrire pour moi? C'est essayer de gravir une montagne. C'est se dire, non, je peux le faire. Je dois le faire. Je dois le faire. C'est pas trop grand. Et c'est peut-être parce que ça paraît impossible que je vais me lancer dans cette aventure-là. Je n'ai jamais écrit de roman historique, mais je me suis dit, mais comment écrire? Comment écrire l'histoire de cette femme? C'est moi, Gisèle, pardonnez-moi, peut-être vous allez penser que je suis un peu prétentieuse, mais en tant qu'auteur guadeloupéenne, je me devais d'écrire l'histoire de cette femme qui était tombée dans l'oubli. Alors, j'ai commencé à chercher et j'ai découvert, simplement, tout simplement sur Internet, en tapant
son nom, Adrienne Fidelin, j'ai découvert des centaines de photos en noir et blanc, œuvres de Man Ray, pas seulement de Man Ray, mais aussi des amis surréalistes, de Roland Penrose, l'anglais, de Lee Miller, l'américaine. Elle était là, elle a été peinte par Picasso, on retrouve deux portraits d'Adi. Elle était au cœur de cette famille, puisqu'ils se nommaient eux-mêmes la famille heureuse entre ces deux guerres, avec Paul Éluard, qui consacre de très belles lignes, qui raconte Adi, la femme noire. Adi, c'était l'amie de Nuche Éluard aussi, l'épouse de Paul Éluard. Voilà, elle était au cœur de ce petit monde-là. Alors, j'ai retrouvé la trace de la famille d'Adrienne Fidelin, des notables de Pointe-à-Pitre, de la ville de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et des choses m'ont été offertes, des morceaux d'arbres généalogiques. La mère d'Adrienne Fidelin, qui va mourir pendant la nuit d'un terrible cyclone qui est resté dans toutes les mémoires en Guadeloupe, le cyclone de l'année 1928. 12 septembre. 12 septembre 1928. Et quand, en tant qu'écrivaine, je tombe sur cet arbre généalogique et je vois le décès de la mère d'Adrienne Fidelin le 12 septembre 1928, alors là, je sais que j'ai déjà des pages et des pages qui sont là, puisque je vais raconter cette nuit, la nuit du passage du cyclone, où Adrienne a 13 ans, seulement 13 ans, et c'est la dernière fille de cette famille. Il y a de nombreuses filles et des garçons. Alors, j'ai déjà cette histoire-là. Je sais qu'ils habitaient Pointe-à-Pitre. J'ai des clichés de la Guadeloupe et des ravages du cyclone de 1928. J'ai toutes ces images. Son oncle a été maire de Pointe-à-Pitre. Son oncle a été maire de Pointe-à-Pitre et son père travaillait à la banque de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Alors immédiatement, je vois la place de la Victoire. Il devait traverser cette place de la Victoire avec les grands sabliers qui sont là. Il y a la Darse, il y a la mer qui est tellement, tellement calme. Et puis il y a tous ces navires qui débarquent des marchandises. Alors la vie de cette ville est là, et j'entends des bruissements de cette ville. Je vois le marché, je vois les femmes qui vont ramasser c'est du charbon, je vois les tilburys qui passaient à l'époque, et tout ce petit monde-là apparaît comme dans un film en noir et blanc, et un film muet, et moi je dois poser tous les mots, et je dois raconter et restituer toute cette époque-là, et toute l'enfance d'Adrienne, et puis... La mort de son père. La aussi, mort de son vite, père, qui intervient très peu de temps tard, après, voilà. Et Adrienne a... Alors, 2 ans plus tard, Adrienne a 15 ans, et sa sœur aînée, Raymonde, va lui dire « Bon, ben maintenant, je vais t'amener en France. » Et Adrienne va débarquer à l'âge de 15 ans. Il faut imaginer l'époque, il faut imaginer cette Guadeloupe ravagée par ce cyclone terrible qui a renversé toutes les cases de bois, qui a transporté des canots de pêcheurs au milieu des villes, qui a décapité des arbres et qui a jeté des morts aussi. Il y avait des morts dans les rues, de la boue, des rats, la maladie. Il y avait la misère qui était là et la faim, des files d'attente comme ça pour un peu de soupe. Et Adrienne va quitter son île comme une terre qui a été violée par des éléments naturels. Elle dit ceci, enfin vous lui faites dire ceci, ou elle l'a dit peut-être, je ne sais pas. À quoi bon rester dans cette Guadeloupe écrasée de souffrance, cancan et sorcellerie? Il y a les trois choses.
Un peu, peut-être, certainement. Avec parce qu'il fallait fermer les portes le soir. Il y avait des esprits qui passaient, il y avait des soucougnants. C'est très vivace aux Antilles. Hein. On ne trouve pas ça seulement dans les contes et légendes des Antilles. Et puis, il y avait aussi tous ces jeunes qui ont embarqué pour faire la traversée, traverser l'Atlantique pour aller en France, pour trouver un travail, pour sortir de la misère, pour échapper à la malédiction des nègres, hein, puisqu'on parle beaucoup de malédiction, maudition. Et j'ai aussi retrouvé, grâce à mes recherches, tous ces voyageurs qui traversaient pour chercher une meilleure vie. Et tous ces jeunes qui sont allés travailler dans les usines de Boulogne-Billancourt, et puis aussi qui, le week-end, arrivaient bien costarés au bal de la rue Blomé, au 33 rue Blomé, qui faisaient danser toutes les bourgeoises et les aristocrates. Et avant d'arriver à la rue Blomé, elle a quand même un certain nombre d'images. Elle dit ceci, voilà, je pars en France, chez mes ancêtres les Gaulois, la sainte terre de Jeanne d'Arc, Charlemagne, François Villon et Napoléon. Nous allons au pays de la Révolution française et des droits de l'homme, de Robespierre, Jean de La Fontaine, Voltaire et Diderot. Et cette métropole immense et désirable porte en son giron 1000 rivières et longs fleuves, blonds champs de blé, vignobles à perte de vue. La France, c'est le pays des roses et des coquelicots. Une vue un peu idyllique, non, quand même? Non, mais pas du tout. Ah bon? C'est ce qu'on apprend à l'école. Ah oui, mais à l'école, mais c'est ça, nos ancêtres les Gaulois, je n'ai rien inventé. On apprend les pommes, les poires, les fraises, les framboises. C'est ce qu'on apprend à l'école à cette époque-là. Parce que les fruits et légumes du pays Guadeloupe n'entrent pas dans les livres d'école. Donc on apprend l'histoire de la France, on voit les cartes de la France. Mais c'est ce qu'elle apprend, mais ce qu'elle va découvrir, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ce qu'elle croit, puisque quand on fait la traversée, on a des images aussi dans la tête et on rêve un pays. Alors avant d'aller plus avant dans son histoire, vous choisissez de lui faire dire « je ». À un moment, dans le livre, c'est « je » qui... Elle va dire « je ». Vous ne la regardez pas avec distance, vous la mettez dans un « je » très, très proche et très personnel d'une certaine façon. Pourquoi ce choix du jeu et non pas du elle? Alors, c'est toujours un choix. Hein, quand on écrit... Vous avez hésité? Bien sûr, parce que quelle est la distance? Je voulais être tellement proche de cette femme que je voulais être cette femme. Je voulais entrer dans sa tête. Et j'ai tellement regardé des photographies avec une loupe pour regarder vraiment la largeur de son sourire même, pour regarder ce qu'elle avait au fond des yeux. Vous imaginez, avec une loupe, regarder au fond des yeux, sur une photographie, qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Quelle est la part des rêves, des illusions, du chagrin? Des petits coins comme ça, où il y a peut-être un petit peu de chagrin comme ça. Alors... j'ai délibérément choisi de poser cette femme à l'âge de 75 ans. Voilà, elle a 75 ans et elle revisite sa jeunesse, elle revisite cette histoire d'amour, elle revisite ce temps suspendu comme ça. Je suis entrée, j'ai voulu, vous savez, un écrivain... s'autorise certaines libertés. J'ai imaginé la psychologie d'Adrienne en me disant, voilà, une femme est là, elle a 20 ans, mais elle a perdu ses parents à 13 ans, sa mère à 13 ans, son père à 15 ans. Elle sait que le temps du bonheur peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle sait ça. C'est quelque chose qui est inscrit en elle. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit ce personnage. Et le « je », c'est cette femme qui va danser, s'amuser, faire l'amour et rire. Parce qu'il faut regarder ces photos. Allez-y, elles sont tellement accessibles. Et vous verrez ce grand sourire, cette joie, ce
petit air comme ça, un peu taquin. Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette joie? Est-ce qu'il y a aussi une volonté, la volonté de repousser le malheur aussi? Et quand je suis dans l'époque parisienne avec Man Ray, Adrienne, elle entend déjà le bruit des bottes. Elle entend déjà Hitler qui gronde à l'horizon comme ça, pas très loin. La guerre est déjà là, un peu comme un cyclone. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de mes livres. Je reviens souvent, c'est toujours un peu les mêmes histoires, avec l'exil, avec quelqu'un qui part comme un papillon dans la cité. Mon premier roman destiné à la jeunesse, eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa grand-mère. Et un jour, il y a une lettre qui arrive. Sa maman est en France métropolitaine. Et elle lui dit, bon, ça y est, maintenant, je suis installée, tu peux venir. Peut-être que toutes ces histoires de femmes font écho à ma propre histoire. Parce que je suis allée entre toujours la France et les Antilles. Je suis née à Paris. Ma grand-mère est venue vivre avec nous. Mon père était militaire de carrière. Nous avons voyagé au Congo. Je suis arrivée à la Martinique quand j'avais 14 ans. Je suis toujours entre ici et là-bas. Et peut-être que je suis attirée par ces histoires-là. Et que Adi, ça a été vraiment une injonction pour moi d'écrire ce livre, parce que c'est cette histoire-là. C'était toujours la même histoire. Quelqu'un qui va quitter un monde connu, peut-être rassurant, mais détruit, dévasté, et qui va arriver quelque part. Alors, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on emporte dans ses bagages, quelle est la part de l'invisible qu'on charroie avec soi, quels sont les fantômes qui nous suivent pendant cette traversée, pendant quand on va enjamber la mer et aller de l'autre côté. Et de la même façon, je suis passionnée par toutes les histoires de migration. Je ne sais pas si tu connais un de mes livres qui s'appelle Les voyages de Mary Cisal, où je raconte l'histoire d'une jeune haïtienne qui va quitter son pays après le séisme de 2010 et qui va arriver en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Qu'est-ce qu'elle emmène avec elle? Qu'est-ce qu'elle apporte au nouveau pays? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment elle va changer ce pays? Alors, on va revenir avec Adi. Elle va rentrer là au 33 de la rue Blomet. Alors, c'est pas rien, ce lieu. C'est un lieu qui est devenu historique, le Bal Nègre, qui est devenu aujourd'hui le Bal Blomet. En quelques mots, décrivez-nous ce lieu qui a fait date dans l'histoire de la musique. Attention, parce que je pense que peut-être que dans la salle, il y a des gens qui sont vraiment au fait de l'histoire. Au départ, il y avait des réunions politiques. Oui. Là, c'était des meetings où il y avait des discours. Alors, je ne suis pas très précise là-dessus. Hein. Peut-être que dans l'assistante, vous me direz, vous me préciserez. Donc, des réunions politiques pour les Antillais. Voilà, réunion. Et puis à la fin, ça se terminait toujours en bal. Et finalement, les gens venaient uniquement pour le bal. Et le 33 rue Blomet a connu son succès de cette manière. Parce que la biguine était en vogue dans tout Paris. Dans tout Paris, il y avait des bals, des magada, bing bing. Il y avait toutes sortes d'endroits où on dansait la biguine. C'était la mode, plus que le jazz d'ailleurs, hein, dans ces années-là. Et puis, ça a commencé comme ça. Les aristocrates, Joséphine Baker, les ouvriers, les riches, les pauvres, tout le monde dansait là. C'était la folie et la liberté. Et Adi, elle vient là pour une soirée. Elle danse avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Elle y va régulièrement. Régulièrement. Et au tout début, vous situez un certain nombre de ses cavaliers. Vous dites, elle danse avec un de ces noirs un peu familier, dans le sens qu'il ressemble à quelqu'un que je reconnus autrefois dans mon quartier. Puis un peu plus loin, elle danse avec un blanc, suant, concupissant, sorti de sa province.
un peu plus loin, un quidam oppressant coiffeur pour dame. Rouflaquette et fine moustache, celui-là. Et ensuite un autre, un peintre hirsute qui voit des cubes et de la géométrie partout. Bon. Un poète en quête d'inspiration, un affamé d'exotisme, c'en est encore un autre, celui-là a l'air ballot. Et puis tiens, un martiniquais de Saint-Pierre, gentil garçon, timide, les minettes remplies de cendres des désirs. Et puis, la rencontre se fait, un autre m'aborde, « Voulez-vous danser avec moi, mademoiselle ?» Et celui-ci, bah, c'est Man Ray. Et tout de suite, il y a une sorte de coup de foudre, en tous les cas, elle le regarde avec des yeux qui sont un peu plus que les précédents. Comment ça se passe la rencontre là, vous nous la ben je ne vais pas très loin dans cette rencontre parce que la relation ne commence pas tout de suite. Non. Ils vont se revoir et c'est à l'occasion d'une voilà. Propose déjà de la photographier. Voilà, il décide de la photographier et puis elle accepte. Elle est heureuse d'aller poser pour lui. Elle a déjà d'ailleurs posé pour d'autres photographes. Elle est très jeune quand même. Elle a 16 ans, 17 ans. C'est vraiment une adolescente. Après, même. Elle a 19 ans quand ouais. Elle est avec Man Ray. Et Man Ray, lui, c'est cet homme, vous avez dit les trois mots tout à l'heure qui le caractérise, joie, jouer, jouir. C'est vraiment ça, Man Ray ? Oui, je crois. Avec beaucoup d'angoisse, bien sûr. Hein. Bien sûr, beaucoup d'angoisse. Parce qu'il faut savoir que Man Ray est juif. Ses parents ont été persécutés sous Alexandre II. Oui, et ont dû fuir, ils sont arrivés à New York, ils se sont installés à Brooklyn, et Man Ray sait les persécutions, les pogroms, il sait déjà que, comme a dit, que rien ne dure. Ils sont arrivés là-bas, mais ils ont dû changer de nom, américaniser leur nom, et Man Ray lui-même, c'est Emmanuel, son vrai nom c'est Emmanuel Radinsky, il a changé son nom. C'est un artiste, il a inventé son nom, Man Ray, l'homme lumière. Et si a dit son rayon de soleil, mais lui, c'est Ray, Man autour de, Ray. Autour d'eux, il y a tous les peintres que l'on peut connaître, peintres, artistes de cette époque, et les plus grands. Et puis, au milieu d'eux, il y a aussi celle dont vous avez parlé, Nuche, et elles deviennent très très amies. Vous dites une blanche, une noire, inséparables, deux sœurs jumelles. Décrivez-nous cette amitié entre ces deux femmes. Alors ça se passait surtout quand elles allaient en Mougins, quand ils allaient dans le sud de la France. Ils partaient avec Picasso. Picasso, à cette époque-là, était avec une artiste photographe très brillante hein, et peintre qui s'appelle Dora Maar. Et puis Paul Éluard, lui, s'était entiché de Nuche. Et Nuche, qui peut-être était un petit peu une prostituée, un petit peu, il avait rencontré sur les boulevards. Et c'était, voilà, le poète, les peintres, les photographes. Et ils étaient là, ils faisaient des sorties, des virées ensemble, ils se photographiaient partout. Ils se peignaient les uns les autres, ils se racontaient les histoires, ils faisaient l'amour aussi beaucoup. Il ne faut pas être farouche. Les corps, ils se partageaient des corps, ils s'aimaient. Mais c'était tout un art, c'était de la beauté. Tout ça, c'était au service de la beauté, de la vie. Et Adi, comment est-elle perçue ? Elle est adulée, rejetée, elle séduit, elle est séductrice, elle est comment ? Elle s'amuse. Mm-hmm. Elle s'amuse, elle profite de cette vie, c'est du libertinage, c'est comme ça, c'est parce que rien ne dure. Au départ, je voulais que ce roman porte ce titre, puisque rien ne dure. Et mon éditeur m'a dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire, puisque rien ne dure. Mais c'était ça l'idée, puisque rien ne dure. Vivons au présent, vivons maintenant. Alors... voilà, elle était avec eux, elle était un peu une artiste dans son... Monde des arts est plus accueillant que le monde en général ? Ou il est le même finalement ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible, parce qu'avec les photos, j'ai eu la possibilité de...
de replacer les choses, les situations. Et c'était surtout pendant les vacances dans le sud de la France, à Mougins. Voilà, leur balade en voiture, les baignades, la plage. Je les ai retrouvés aussi à Paris, un petit peu, même dans des fêtes foraines où on voit Adi tirer au fusil. À la carabine. Et puis, elle est à côté de Paul Éluard, de Nuche. Ils font beaucoup de virées. Lors de la grande exposition de 1938, où Man Ray et les surréalistes avaient convié Breton, avaient convié les Européens surréalistes, tous les artistes, à habiller des mannequins de vitrine. C'était cette exposition, donc chacun y allait ses idées, sa fantaisie, son imagination. Et Man Ray avait baptisé son mannequin Adieu Foulard. Adieu Foulard, c'est très... ça, c'est vraiment quelque chose qui fait référence à Adrienne Fidelin et qu'on ne retrouve pas dans les livres d'art ou d'histoire parce qu'il n'y a pas la dimension créole d'Adrienne qui est mentionnée. Comme dans la poésie de Man Ray, de Paul Éluard, et notamment dans l'ouvrage Les Mains Libres, on retrouve la poésie d'Éluard illustrer les dessins de Man Ray. Ou comme Man Ray aimait le dire, c'est Paul Éluard qui illustre ses dessins. On retrouve des termes créoles. J'ai pu retrouver des termes créoles, du créole. Donc, j'ai voulu vraiment qu'on sente la présence d'Adrienne. Il y a un tableau où Man Ray a écrit en créole. Même les Kadomi, Ikari. Donc, elle était là et elle inspirait énormément. Elle se pose des questions aussi quand même. Elle dit, par exemple, je suis la seule noire de cette tribu. Mais elle ajoute très vite, être noire doit-il m'empêcher de vivre ma vie et tenter ma chance à Paris? Et bien sûr, elle répond non. Parce que à cette époque-là, il y a également le mouvement de la négritude. Qui est là. Il y a les sœurs Nardal. Qui tiennent un salon littéraire. Un salon littéraire. À Clamart. À Clamart, et qui invite les Haïtiens, les Africains, les Américains, les Noirs antillais à se rencontrer. Ce sont les sœurs Nardal qui sont vraiment au tout début de toutes ces rencontres. Alors, il y a les sœurs Nardal. Il y a aussi cette façon que les gens ont de regarder les danseuses noires. On les appelle des pantins, les poupées exotiques, les pantins. Elles dansent pour des blancs. Donc, elles sont critiquées quand même de la part d'une certaine intelligentsia. On parle de poules délurées. Oui, bien sûr. Alors... Adrienne, comment se placer? Comment se positionner? Parce qu'elle a ses cousins qui sont étudiants et qui lui disent, mais ça, arrête avec ton blanc, il a 25 ans de plus que toi, qu'est-ce que tu fais là? Et elle se déclare libre en tant que femme, pas simplement une noire qui doit suivre certains schémas ou fréquenter uniquement des noirs. Voilà, eh bien, je l'aime, il y a de l'amour derrière cette histoire. Elle se pose la question aussi, c'est une question qui est dans le livre, est-ce que tous ces combats me concernent finalement? Il y a des moments où elle a envie d'oublier ça aussi, elle a envie d'être ce qu'elle est tout simplement. Parce qu'elle a sa propre vie, elle a ses propres souffrances, elle a ses propres fantômes, elle a ses deuils aussi. Elle est orpheline, moi je n'ai jamais perdu de vue ça, ce point de départ, cette déchirure, vraiment le pays dévasté, les parents morts. Le pays, elle se retourne, qu'est-ce qu'il y a? Des cadavres et voilà, des ruines. Alors, voilà, est-ce qu'on peut juger quelqu'un? Parce que c'est ça aussi, peut-être, ce que je poursuis dans mes écrits. Comment considérer quelqu'un, un être humain qu'on a en face de soi? On ne sait rien. On regarde, on juge, on voit un masque, on voit une posture. Mais qu'est-ce qu'on sait des souffrances? Qu'est-ce qu'on sait de choses intimes qui sont là, tapis comme ça dans le silence des chairs? On ne sait pas grand-chose, mais on juge très très facilement. Alors, moi, en tant qu'écrivaine,
c'est ce qui m'intéresse. Aller dans ces recoins, dans ces zones d'ombre, derrière la façade en tout cas. Alors, c'est important. Voilà, mes personnages, je veux vraiment qu'ils aient une épaisseur, qu'ils soient comme des humains, en fait, avec leur douleur, avec leur chagrin, avec leur mensonge, avec leur fragilité, bien sûr. Et voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qu'on doit taire. Mais dans mes livres, je peux écrire tout ce que je veux. C'est là. C'est mon pays, là. Les livres, c'est mon pays. Alors, la belle vie va s'arrêter parce qu'il y aura un deuxième cyclone dans sa vie. C'est la guerre qui va les séparer. Man Ray, comme elle le dit, il est juif, je suis noir. Nous deux, nous formons un couple pas au goût de tout le monde. Et c'est le moins qu'on puisse dire dans cette période de guerre. Donc, Man Ray va partir aux États-Unis. Elle va se retrouver. Il est obligé de partir. Il ne la quitte pas parce que Man Ray écrit dans son livre Autoportrait, Man Ray écrit: je me suis fâchée pour la première fois avec Adi. Je lui ai dit, mais viens Adi, qu'est-ce que tu fais coucher sur le lit? Viens, fais tes bagages. J'ai pris 2 billets de train et nous avons des passes pour rejoindre le sud et prendre un paquebot et monter et partir aux États-Unis. Adi restait couchée sur le lit. Elle a dit, je suis malade, je ne viens pas. Et après, elle a dit, je vais m'occuper de ma famille, je ne viens pas avec toi. Parce que ils avaient fait déjà un premier périple en voiture, en zone libre. Et puis, on leur avait dit bon, de remonter sur Paris. Il fallait revenir sur Paris. Elle avait fait ça. Mais la deuxième fois, elle a dit non, elle ne part pas. Elle reste là. Donc, elle avait appelé son petit frère. Elle lui a dit bon, viens accompagner Man. Il a 2 grosses valises. Accompagne Man au train. Et voilà, elle l'a laissé partir. Elle va s'occuper de ses œuvres. Alors ça, c'est elle qui va être la dépositaire quand même. Elle va sauver l'œuvre de Man Ray. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et Man Ray dit toute sa gratitude et toute sa reconnaissance à Adi parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle conserve, qu'elle préserve des trésors, des choses qui sont vendues maintenant aux enchères des millions de dollars. Eh bien, dans un vieux grenier, des photos, des clichés, des tableaux, des pellicules. Des négatifs. Oui. Des négatifs. Il dit, mais c'est pas possible. Elle a gardé tout ça avec son nouveau compagnon. Ils ont transvasé ça d'un grenier à un autre et c'est resté là. Et dans les années 50, il revient. Il est marié. Il est marié, mais elle aussi. Tous les deux se sont mariés. L'amitié est toujours aussi forte puisque jusque dans les années 70, on retrouve dans les œuvres de Man Ray, Adi, on retrouve des portraits d'Adi jusque dans les années 70. C'est leur grand amour à chacun. Et elle vit à Albi, lui vit à Paris, rue Férou, et avec Juliette Bronner, cette américaine, d'ailleurs qui était danseuse aussi, qui ressemblait un petit peu à Adi. Ils s'écrivent beaucoup. De temps en temps, Adi est fauchée, donc elle lui demande de lui envoyer des photos. Ouais, Aman, envoie-moi des photos. Il y a toute une correspondance que j'ai pu retrouver. Alors. Elle est décédée en 2004, c'est très, très récent. Vous auriez pu la rencontrer. J'aurais pu la rencontrer si... C'est un regret. Immense, j'imagine, non? Ou pas? J'ai retrouvé ses nièces du côté d'Albi. Oui. Et puis à Périgueux aussi. Dans toutes mes recherches sur Internet, j'ai retrouvé le neveu d'Adrienne qu'elle avait eu avec son mari André... André Hart. Et j'ai passé un coup de fil depuis Marie-Galante. Oui, excusez-moi, je m'appelle Gisèle Pinault. Je suis en train d'écrire un livre sur Adrienne Fidelin, votre tante. Et je voudrais voir des photos d'elle dans les années 50, 60, 70. Et quand ils m'ont dit oui, j'ai tout de suite pris un billet d'avion et j'ai débarqué là-bas pour retrouver quelques petites traces, 2 petites photos, des toutes petites anecdotes qu'ils m'ont racontées. Et puis je leur ai envoyé le livre quand il est sorti. Ils m'ont dit qu'elle aurait
qu'elle aurait aimé. Elle dansait beaucoup, elle aimait danser. Et la dernière fois qu'elle est retournée en Guadeloupe, imaginez que c'était en 1976, au moment où il y avait une autre catastrophe, c'était la Soufrière. Elle est partie, imaginez ça, elle est partie avec un cyclone, 1928. Elle revient, c'était l'année de la mort de Man Ray aussi. Ouais, hein. Ouais. Elle a fait le voyage l'année de la mort de Man Ray. Et elle revient en Guadeloupe l'année où la Basse-Terre est évacuée, où la Soufrière fait des siennes. Et alors, c'est un destin incroyable. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la manière dont vous avez construit le livre. C'est un livre qui brise un petit peu la chronologie, qui revient en arrière, qui fait beaucoup d'allers-retours. Vous avez même des interventions quasi personnelles, un peu à la manière d'un conteur, j'ai l'impression. Vous dites par exemple, à un moment, je cite une phrase, « Pardonnez-moi, je ne raconte pas tout dans le bon ordre, je fais de mon mieux. » Alors, c'est Adi qui parle, mais c'est peut-être un peu aussi la romancière qui veut relancer le lecteur un peu plus loin. Vous dites, tiens, tout ça nous ramène un souvenir, et hop, on repart en arrière. Vous nous emmenez avec vous, là. Mais alors, depuis toute petite, j'aime m'asseoir auprès des personnes âgées. Maintenant, je suis une femme âgée aussi, hein, mais depuis toute petite, j'aime m'asseoir auprès de mes grands-mères, de mes grands-tantes, et je leur demande de me raconter... Alors, comment c'était dans ta vie, quand tu étais jeune, quand tu allais au bal, quand tonton t'a demandé ta main, et tout ça. Bon. Et j'écoute, je suis là. Alors, vous savez, aux Antilles, on s'assied sur une terrasse, et il y a des petits bancs. Donc, assisés, un petit banc. Et au quoi coûter. Alors, j'écoute les histoires. Mais quand une personne âgée raconte, c'est pas dans l'ordre chronologique. C'est, il s'est passé ça. Ah, en cas son géant missier qui était, ah, il missier, il était quand merde et moi. Il était là, il était qu'à vide et moi. Voilà, on raconte dans le désordre. Et j'ai voulu donner, dans mon écriture, j'ai voulu voilà, insuffler ça, ce récit un peu morcelé où le tableau va se faire comme ça avec des pièces au fur et à mesure. On rajoute une petite pièce et puis finalement on verra tout le tableau. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes très présente dans ce livre, vous y avez en partie répondu, très impliquée, que cette femme vous est très proche. Je cite une phrase, on est à la page 83. Les années passent, tu oublies un peu la terre lointaine, tes souvenirs sont des photos jaunies, tu les collectionnes, tu les caresses. Un jour, tu retournes chez toi et tu te rends compte que toi-même, tu es devenu étrange et étrangère aux yeux des tiens. C'est Adi qui parle ou c'est un peu Gisèle aussi ? Oh, mais moi, je vis en Guadeloupe. Moi, je vis en Guadeloupe depuis très longtemps. Ouais, mais c'est ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Antillais qui ont passé beaucoup d'années de leur vie ici, en France métropolitaine. Et quand il y a le retour au pays... On est toujours du pays, mais on est un peu autre aussi. On a pris d'autres habitudes, on porte un autre regard sur le monde et sur les siens, et sur sa campagne, et sur les coutumes, et sur la nourriture. On a des manières autres. Alors, oui, cette histoire de ce changement comme ça de l'être, parce que rien n'est figé chez quelqu'un. Rien n'est figé, on change en permanence, on se construit, son regard change, c'est impressionnant, le regard, comment un regard peut changer. Vous-même, ici, vous vous souvenez d'une campagne, peut-être, d'une cité, les dimensions, et puis tout paraît tellement petit et ridicule, alors que dans votre mémoire, c'était immense, c'était gigantesque, c'était une forêt vierge, alors que c'était un tout petit bois. Vous voyez, donc, c'est ce que j'aime aussi. L'écriture permet de retranscrire tout cela. Aujourd'hui, Adrienne Fidelin, en Guadeloupe, quelle existence, quelle présence ou quelle absence a-t-elle ? Vous l'avez réhabilité avec ce livre ? Ce livre a suscité beaucoup d'intérêt.
J'ai fait de nombreuses... J'étais invitée à parler de mon travail dans de grandes salles et il y a eu un véritable engouement, comme si la Guadeloupe se réappropriait une personne qui avait brillé en son temps. Et Adrienne, c'est vrai que ces photos nues hein, avaient pu choquer à l'époque. Parce que c'était sa famille, peut-être il y avait un peu de honte aussi, voilà, parce qu'on disait qu'elle était, voilà, elle était là, elle se posait nue. Il y a beaucoup de documents alors, dans votre livre aussi, il y a des photos dans le livre, et la couverture a suscité pas mal de polémiques. On dit, mais pourquoi cette photo? Alors, c'est mon éditeur qui m'a proposé cette couverture, et j'ai pas voulu faire offense à Adi en jouant les mijaurées ou les prudes. Non, elle a osé. Eh bien, osons. Voilà. Voilà, mais c'est de la beauté. C'est ce que je me suis dit. C'est de la beauté. Je ne vais pas faire les filles un peu prudes, non. Nue chez elle disait, nous sommes au service de l'art. Une fois de plus, elle l'est. Alors, je voudrais qu'on cite un certain nombre de vos titres, des autres titres, qu'on ait quelques mots pour ceux-ci. Vous l'avez un petit peu cité tout à l'heure, l'exil selon Julia. C'est un joli dialogue là, entre une petite fille et sa grand-mère. C'est un bel amour grand-maternel. Oui, c'est mon histoire avec ma vraie grand-mère, ouais. Julia, que j'avais prêtée à Félicie, l'héroïne du Papillon dans la cité. Mais je raconte toujours les mêmes histoires, en fin de compte. Elles vont, elles viennent, elles partent, elles arrivent, elles débarquent, elles se souviennent, elles retournent au pays, voilà. Donc, et c'est la même chose pour le... On y vient, ouais. Vous inquiétez donc, pas. Donc Adrienne, elle a été dans mon cœur, mais j'ai pris beaucoup de temps avant de me consacrer vraiment à l'écriture. J'ai passé au moins 5 ans à réfléchir à la manière dont j'allais écrire ce livre. Et mon éditeur me disait, mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Je lui disais, mais l'époque est riche et tout, tu verras. Ça va aller, je pense que je peux raconter l'histoire de cette femme. Et voilà, il était content après. Et puis nous avons reçu le prix du roman historique 2021 pour Adrienne. C'était une grande fierté, aussi bien pour mon éditeur que pour la Guadeloupe aussi. Montrer cette belle figure, cette belle personne. Je voudrais qu'on cite deux autres livres parce que je pense qu'ils ont des liens avec les deux livres dernièrement publiés. Cher Piment, parce que cette histoire de cette jeune femme qui a quitté sa Guadeloupe, elle aussi, qui se retrouve en banlieue parisienne et qui, elle, va essayer d'oublier avec beaucoup de relations. Elle va connaître beaucoup d'hommes. On est pas loin d'Adi d'une certaine façon. Il y a un peu d'Adi déjà dans ce personnage, non? C'est pas la même chose. C'est ouais. Parce que elle avait, il y avait comme une malédiction avec Cher Piment. Il y avait comme une malédiction. Non, c'est pas du tout la même c'est chose. Elle était poursuivie par le fantôme de sa sœur. Ouais. Il y avait de la sorcellerie. Cher Piment, il y a pas mal de sorcellerie. Adrienne, non, c'est un destin. Et puis c'est une personne qui a existé. Tandis que Cher Piment, ce sont mes propres obsessions, mes fantasmes et ma folie. Alors, un dernier livre avant d'aborder le tout dernier, celui qui s'intitule Le parfum des sirènes. Juste avant Le parfum des sirènes, parce qu'il me semble là aussi que vous abordez le roman policier, vous y êtes presque et vous franchissez pas encore le pas, et il est franchi avec celui-là. C'était presque un préalable. Oui, alors Le parfum des sirènes, alors j'ai eu une lubie, je me suis dit, mais il faut que je parle des parfums, il faut que déjà dans le titre, il y ait parfum, il faut que le lecteur soit enivré dans tout le livre de parfums, qu'il ait toutes ces odeurs. Alors c'était, voilà, Le parfum des sirènes, j'étais très heureuse d'écrire ce livre, il y a beaucoup de suspense, il y a toujours des secrets de famille, je remonte sur un siècle dans l'histoire d'une famille. Et ensuite... La couleur de l'agonie, c'était vraiment un challenge. C'est Florent Charbonnier, les éditions Caribe Éditions, qui me dit, Gisèle, est-ce que tu pourrais écrire un roman policier? Et je dis, oui, bien sûr, je pourrais écrire un roman policier.
Mais je regarde beaucoup de séries, hein. Je regarde beaucoup de séries policières. Je regarde Vera, je regarde Les Experts, je regarde Hercule Poirot, je regarde tout. Et une série que j'aimais bien aussi, c'est Cold Case, avec le passé qui revient dans le présent. Ça, j'aime beaucoup ça. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, qui est facile, qui aide beaucoup dans la narration. Alors la couleur de l'agonie, on retrouve mes thèmes, on retrouve une femme qui a été... C'est vous qui déciderez, comme tous les romans policiers, c'est vraiment l'auteur qui peut décider jusqu'où on raconte. Je vais juste raconter, moi, dire de quoi il s'agit dans les deux premiers chapitres, parce qu'ils sont vraiment très différents. Premier chapitre, on est le 13 août 1983. À Pointe-à-Pitre, dans le ghetto Selva, et il est 15h20. Les choses sont extrêmement précises, et la première phrase, c'est « Allez, écarte les jambes, laisse-toi faire, je te dis qu'il a l'habitude. » On a l'impression, le lecteur peut penser qu'il s'agit d'un viol. Ça n'est pas un viol, c'est une autre forme de violence, c'est une interruption de grossesse. Premier chapitre. Deuxième chapitre, le 15 septembre 2018, et on est à Paris. On a fait un grand saut à la fois dans l'espace et dans le temps. Et je cite là encore, « Oui, ça sera bientôt officiel. Muriel m'a certifié que tout est en ordre pour ta mutation en Guadeloupe. Dis-moi que tu es contente, Jessica. » Alors, deux personnages, hein, deux temps, deux lieux. Alors évidemment, les deux lieux et les deux personnages vont se retrouver. Comment est né ce livre et cette construction ? Alors, je voulais une policière, Jessie Cantor. Elle est nommée au commissariat. Elle est au commissariat de Pointe-à-Pitre. Alors, vous voyez, c'est encore c'est toujours le même schéma. Hein. Elle vit en France métropolitaine et elle est mutée en Guadeloupe. Elle va retourner en Guadeloupe et elle va devoir résoudre une affaire qui est terrible et qui remonte aux années 1980, où une jeune fille s'est fait violer en réunion avec sept garçons qui, à l'époque, étaient des bacheliers et qui sont devenus des notables. Alors voilà, je ne vous raconte pas davantage, mais c'est un vrai polar. Qu'est-ce que vous aviez au début ? Vous aviez cette intrigue, le policier ? Au début, j'avais une femme abusée, et je voulais parler de ça. C'était le sujet. N'oubliez pas que c'est un engagement aussi pour moi d'écrire, et je dénonce depuis longtemps, depuis l'Espérance Macadam, le viol, l'inceste, les abus sexuels. C'est aussi un de mes... c'est un sillon que je creuse aussi vraiment avec beaucoup de patience, et voilà, je continue. Et c'est important en tant que femme d'écrire sur ces sujets-là. Donc, le roman policier, c'est un prétexte pour aborder ces thèmes qui me sont chers. Une femme qui, à 16 ans, sa vie va être complètement démolie. Et c'est pour cette raison qu'il y a un tel saut dans le temps. On se retrouve en 2018. Parce que cette femme, elle n'a plus 16 ans, elle a la quarantaine, et elle ne peut, suite à l'avortement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a été abîmée, blessée. Blessée à vie. Voilà, à vie. Et ce traumatisme, ce viol, va la hanter toute sa vie. Mais il y a une vengeance. Voilà, c'est ça l'histoire. Il y a un retournement de situation, mais on ne sait pas par quel biais, par qui, ils vont mourir les uns après les autres, des années plus tard. Je vous assure, c'est vraiment passionnant. Moi-même, quand je l'écrivais, je me disais, mais c'est pas possible. Le choix du récit alterné, justement, le choix de passer de l'un à l'autre dans votre narration, parce que vous auriez pu très bien raconter un fait au début, puis on passe à la suite et on se retrouve en Guadeloupe, point final. Là non, vous continuez l'alternance, vous aimez là encore
alterner. Oui, alors j'aide beaucoup le lecteur parce que toute la partie des années 80, c'est en italique et c'est un peu comme un genre de petit journal grâce auquel mon héroïne, la jeune femme qui a été abusée, va essayer d'exorciser sa douleur et va essayer de se soigner par l'écriture. Va se soigner par l'écriture. Donc c'est dans les années 80 et en 2018, bon c'est un autre. Mais on ne se perd pas, le lecteur. Non, c'est pas impossible. Impossible, non, c'est impossible de se perdre. Mais je voulais faire vraiment le gros pavé qu'on ne lâche pas. Et vous reconnaissez les cimetières, un cimetière derrière, à Mornalo. Comment a-t-il été écrit le livre? Comme on le lit nous, où vous avez écrit une première partie, puis la deuxième partie, et vous avez entrelacé ensuite. Comment ça a été? Ah non, je ne fais pas ça. On l'écrit, on le lit comme vous l'avez écrit. C'est comme ça, je l'écris. Et j'ai toujours écrit sans plan. Peut-être pour Adi, j'étais obligée d'avoir quelques repères, hein, mais ce n'était pas un plan. Mais là, vous connaissez la fin quand même. Pas vraiment. Non. Comme nous, alors. Mais oui, parce que si moi-même je connais déjà la fin, mais le lecteur va la deviner encore plus tôt. C'est ça tout l'enjeu. Je ne dois pas tout savoir. Je ne dois pas tout savoir. Je me souviens, je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'écrivais un livre qui s'appelle « Monde Capres ». Et tous les jours, je racontais à ma fille, je disais, voilà ce qui s'est passé, la mère Paco, mais elle a fait ça. Elle me dit, ah bon, et après? Je dis, mais je ne sais pas, demain, je te dirai quand j'aurai écrit. C'est ça qui est merveilleux dans la création et qui me met dans un état de jubilation, parce que c'est tellement fort de pouvoir écrire des choses comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va venir. On ne sait pas où les personnages vont vous mener. C'est ce qui me passionne dans l'écriture. Et j'ai l'impression parfois d'être comme ces peintres-là. Ils sont là, et les couleurs donnent des formes. Les formes peut-être mènent à des idées, à un propos. Et voilà. Et c'est de l'art. Vous avez pris un grand plaisir à ce livre, non? Plus que d'autres, peut-être. Parce qu'il y avait peut-être une plus grande liberté. Vous vous accordiez une plus grande liberté ou pas? Le polar, c'est différent. Peut-être que je suis beaucoup plus littéraire dans les autres ouvrages. Ouais. Et là, bon, c'était, il fallait écrire ça comme un polar. Il fallait que ça soit un roman coup de poing, mais en même temps un peu trash. Il fallait dire les choses. Mais je n'ai pas peur d'écrire des choses dures, crues. Je n'ai pas peur des mots, j'aime les mots. Et le fait d'être là, c'est une première quasiment, un polar écrit par une femme qui plus est. Ah oui, hein? Mais non, pas une première, par une femme guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Oui, j'espère pouvoir faire une suite quand même, parce que je me suis attachée à ce personnage de Jessie Cantor. Ah, c'est ce que j'ai parce qu'elle demandé. A ses propres démons elle-même aussi. Elle va devenir votre Miss Marple ou votre... Oui, peut-être. Oui, peut-être. Elle va revenir de roman en roman. Oui, peut-être je vais en faire encore deux. Bon. Vos repères littéraires, à vous, où sont-ils? Vous les cherchez du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique latine, du côté de la Caraïbe, du côté de l'Afrique, un peu partout où il y a des zones qui vous sont plus privilégiées, qui vous touchent davantage que d'autres? J'aime beaucoup Toni Morrison. Mm-hmm. C'est pour de nombreuses écrivaines, c'est un modèle, c'est mm-hmm. tellement extraordinaire ce qu'elle écrit, cette façon d'aller... Oh chercher les mots et pour moi Toni Morrison ça a été comme une chanteuse qui voilà les mots ne sortent pas de sa gorge mais de son ventre, ça sort de très très loin et ça remonte comme ça et ça c'est inégalé, Toni Morrison. Je me suis aussi beaucoup pas inspirée mais ce sont des modèles pour moi aussi. Marie Scondé, que j'ai longtemps regardée à la télévision, surtout au moment de ses goûts, quand elle a explosé sur la scène internationale guadeloupéenne, et puis Simone Schwarzbart aussi. Oui, vos deux pionnières. Simone Schwarzbart, ce sont de grandes dames, et
voilà, je suis heureuse d'être à leur côté, ouais. Derrière. Et les petites jeunes là, qui arrivent derrière. Ah oui, je connais Gaëlle Octavia, ouais. Et puis Fabienne Canor, que je vous recommande aussi beaucoup. Sinon, Esther Sarabulle, par exemple. Oui, Esther aussi. Jessica, elle a eu un énorme succès avec Jessica. Avec les bandes dessinées. Oui. Et puis des thèmes aussi très forts, sur la chlordécone aussi. Oui. Et sur l'exil aussi, sur le pays en nous. Mais j'attends. Il faut écrire. Et on a tellement de c'est tellement merveilleux d'avoir ça dans sa vie. Quand on regarde votre œuvre, il y a des, vous l'avez dit vous-même, il y a des thématiques qui sont récurrentes, effectivement, les allers-retours, l'exil, mais il y a aussi la dénonciation de la violence des éléments, les cyclones, bon, bien sûr, la nature, mais la violence des hommes aussi, oui, terrible. Des guerres aussi. Hein, des guerres, bien sûr, mais la violence familiale, c'est ce que j'allais dire, familiale. Personnel, la violence de l'intime, ça c'est des choses qui reviennent et vous tenez à le dire et depuis longtemps. Je tiens à le crier même, je tiens à le crier et où est-ce que je peux crier ? Je ne suis pas une meneuse, je suis très solitaire et c'est dans mes livres, au moins je sais que ces mots-là vont rester, ils existent, ils sont rentrés dans la réalité, ils sont sortis de ma tête, ils sont posés là et je suis très, très reconnaissante d'avoir ça dans ma vie, d'avoir l'écriture, parce que je me dis que qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie si je n'avais pas eu l'écriture ? J'aurais été complètement déprimée ou déséquilibrée. Le salut l'écriture vient. L'écriture m'a donné vraiment. Par l'art. Pour moi, je ne veux pas généraliser. Mais pour Adi aussi. Peut-être la paix de l'esprit, une forme de sérénité quand même, une forme de sérénité. L'autre volet de votre littérature, c'est la place des femmes aussi. Et c'est par les femmes qu'arrive le meilleur. Je ne sais pas si c'est place des... Elles sont là, elles sont présentes parce que finalement elles sont partout autour de moi, toutes ces femmes. Et j'ai peut-être un peu plus de mal à dépeindre un personnage masculin, messieurs, peut-être, excusez-moi. On me l'a reproché, hein. On m'a dit, ah ouais, mais Gisèle Pinault, toujours les femmes. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. C'est pas un reproche, hein, cette... Non, mais il y a des gens, non, pas toi, mais on m'a reproché, on m'a dit toujours les femmes, mais il faut bien parler des femmes quand même, il faut en parler. Je suis une femme, et j'ai vu tellement de femmes prendre du fer, comme on dit, chez moi en Guadeloupe. Prendre du gaz même. Comment vous lit-on, vous employez tout à l'heure les mots ici et là-bas, comment vous lit-on là-bas et ici ? De la même façon, on vous lit différemment ? Vous avez des retours de lecteurs ou de lectrices qui sont différents, j'imagine. On ne peut pas vous lire tout à fait de la même façon en Guadeloupe et en banlieue parisienne, ou si, on vous lit de la même façon ? Là, il faut poser la question aux personnes. Parce que non, moi, mais vous, les retours que l'on vous donne ? Mais moi, je suis toujours émerveillée. Je suis toujours émerveillée par les belles choses qui m'arrivent. Et je suis, franchement, je prends ça comme un cadeau si on fait des bons retours. Et puis, voilà, peu importe, il y a des gens quand même qui me rencontrent parce qu'il y a le livre. Et ce livre, et vous savez, j'ai commencé à écrire quand j'avais... 7 ans, et j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, où je vivais dans ma petite banlieue, au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Et j'avais écrit un petit livre que j'avais recopié 10 fois, comme ça, à la main, hein, bien sûr, à la main. J'avais cousu les pages du livre, parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, dans ces années, les années 60. Et c'était une manière de jeter un pont, de tendre la main, d'aller rencontrer les autres, et surtout les enfants blancs qui me traitaient de négresse tous les jours et qui ne voulaient pas voir ma tête de négresse à plateau. Et donc, c'était une façon d'aller rencontrer les autres. Et aujourd'hui encore, la petite fille que j'étais à l'époque, elle est toujours là.
elle est toujours là, même si vous voyez les cheveux les blancs, les rides et tout. Mais la petite fille qui croit que la rencontre est possible, elle ne disparaît pas, puisque les livres sont toujours présents et sont toujours importants. Il faut toujours écrire, parce que je n'ai pas arrêté d'écrire, parce que j'ai toujours envie d'aller rencontrer les autres. C'est le même plaisir à chaque fois. Et est-ce que c'est la même difficulté ? Ou c'est plus facile aujourd'hui ? Il y a du métier ? Non. C'est pas la routine. C'est un plaisir. Mais parfois, je me dis que je suis masochiste, parce que c'est une douleur, c'est difficile, parce que il faut s'asseoir tous les jours et puis c'est se dire qu'est-ce qui va sortir ? On ne sait pas. Est-ce que ça va sortir ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que je pourrais ? Est-ce que je serai à la hauteur ? Est-ce que je veux faire encore mieux ? Je veux toujours faire mieux. Il n'y a pas que de la douleur, quand même. Il y a aussi du plaisir. Non, il y a de la jubilation, il y a de la jouissance même. Ben ouais. Mais il y a beaucoup de plaisir, énormément de plaisir, bien sûr, puisque c'est ça. C'est un travail, puisque je me mets à ma table de travail tous les jours, comme si j'allais au bureau, de 7h à 15h. Je me lève à 15h pour aller manger. Peut-être que certains ne le savent pas, j'ai été infirmière en psychiatrie pendant 37 ans. J'ai exercé le métier dans les hôpitaux psychiatriques et dans un CMP. Ça a joué, ça, dans votre écriture ? Ça m'a beaucoup aidée, parce que c'était un grand, grand équilibre dans ma vie. D'un côté, j'avais mes personnages d'encre et de papier, et de l'autre, j'avais des personnes Le réel. De chair et de sang. Et des personnes, des vraies personnes, il fallait écouter, aider, soigner, apaiser. Et c'était en psychiatrie. Donc, des vraies personnes. Je ne me suis pas inspirée de mes patients, même si j'ai écrit un livre qui raconte mon travail d'infirmière. Hein. Mais ça m'a, je les ai vues, ces personnes, et je me suis dit peut-être que si je n'avais pas eu l'écriture, moi, j'aurais été de l'autre côté aussi. Alors, quand on vient de prendre pour modèle un personnage qui a vraiment existé avec Adi, quand on est parti du côté du polar, du roman policier avec un autre, publié à peu près à la même période, le suivant, il va du côté de l'histoire avec Adi, il va du côté du polar. Le suivant, il va au Bénin. Il va au Bénin, il va en Guadeloupe et à Paris. Et je me suis beaucoup intéressée aux recherches ADN. Peut-être que vous connaissez ces sites de généalogie en ligne. Et mon prochain roman que j'ai terminé l'écriture, c'est une jeune femme qui a été adoptée et qui fait ce test ADN et qui découvre que l'Afrique est là. Elle a beaucoup de pourcentage africain. Et voilà, elle croit qu'elle vient d'Afrique. Mais en vérité, elle vient de la Guadeloupe. Alors, j'en profite pour faire le tour. C'est un roman très moderne, puisque j'évoque différentes questions d'actualité, notamment les mules qui transportent incorporées de la cocaïne, qui font le voyage des Antilles à la France ou ailleurs. Et puis, c'est en même temps très, très, très actuel, avec les réseaux sociaux, avec une jeune fille qui voit ses photos nudes qui sont dispersées partout. Et tout le monde voit ça. Et ça l'a fait. Sur les réseaux. Sur les réseaux, elle va quitter la Guadeloupe à cause de ça, parce que elle n'en peut plus. Et en même temps, il y a le passé qui est là aussi et qui revient hanter ces jeunes générations. Et par une sorte de fantôme. On découvrira ça. Pourquoi le Bénin ? C'est un choix de ce pays particulier en Afrique ? Parce que moi, quand j'ai fait mon test ADN, j'ai vu le Bénin apparaître à 72%. Ouida. Et je me suis dit, mais si j'étais née sous X et que j'avais reçu ces résultats, j'aurais pensé que c'était... C'est ce qui m'a donné l'idée, je vous dis ça. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire cette histoire. Parce que, bon, moi, j'ai mon père et ma mère qui sont guadeloupéens, mais je dis, mais quelqu'un qui naît sous X et qui découvre 72%
Afrique de l'Ouest, hein, je dis Bénin, Nigeria, hein, c'était vraiment la zone de concentration, là où il y avait vraiment le plus fort pourcentage. Je dis, mais la personne va aller directement au Bénin, va dire, je suis de là-bas. Et finalement... donc c'est boucler la boucle, oui, d'une certaine façon. Merci beaucoup, Gisèle, de cet échange. Je voudrais juste repréciser que Adi Soleil Noir a été publié aux éditions Philippe Ray, que La couleur de l'agonie a été publiée aux éditions Caraïbes Éditions, et que cette rencontre a été possible, organisée par l'Alliance française, avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises, et puis aux manettes, à la fois aux images, au son, et un petit peu à l'organisation aussi de cette rencontre. Il y avait Flore, il y avait Cerise, il y avait Michael et Mohamed. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et de bonnes lectures.